tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Bienvenue dans ce débriefing radio à propos du match OGC Nice FC Metz qui s'est tenu samedi 13 septembre 2014 à 20h au stade Alliance Riviera à Nice. Alors concernant la composition des équipes, alors pour débuter sur le FC Metz, au goal Carasso, ensuite Milan et Choplin, Metanir et Busman, Endow, San, Krivets, Gbakoto, Lejeune et Maïga devant. Alors ensuite, côté OGC Nice, au goal Hassen, en défense Genevois, Bodmer, Diawara, Carlos 8, en attaque Mendy, Pléa, Puel, Zvitanić et Amavi. Voilà concernant la composition. Alors ce match donc a débuté à 20h précise au stade Alliance Riviera. Alors juste avant, quelques détails infirmerie. Ça s'est tombé autour de 19h30. Au niveau point infirmerie, Digard, Ma, Traoré absent pour ce match pour le gym et les Metzois, les Grenats comme on les appelle, se présenteront sans Diallo, Doucouré, Rochi, Nozor et Vion. Voilà, 20h, c'est donc parti sur l'Alliance Riviera, le coup d'envoi ayant eu lieu. 11e minute, Pléa, l'attaquant niçois, hérite du cuir, dos au but, et se retourne, contrôle et frappe, c'est trop bien écrasé pour inquiéter le portier Messin. 17e minute, carton jaune pour Jérémy Pied, en avant de Lejeune, qui touche la cheville de Genevois. Voilà, donc jaune pour Jérémy Pied. 22e minute, sortie de Hassen, le gardien du gym sort au devant de Ngabto qui tente le lob mais ne trouve pas le cadre. 24e minute, une barre pour Zvitanić, bénéficiant d'un super travail axial de Diawara. Zvitanić servi mais en position de hors-jeu, il hérite du décalage de l'ancien Marseillais et tente un petit piqué en entrée de surface, Carasso est lobé. Mais la sphère atterrit sur la barre transversale Messine. L'arbitre de touche n'avait pas signalé le hors-jeu. Ensuite, à la 36e minute, Eduardo, après un astucieux 1-2 avec Zvitanić, la recrue brésilienne de Nice, Eduardo tente sa chance aux 16,50 mètres, c'est la niche de Carasso. 46e minute, Endao, tout simplement, le mot à dire, frappe puissante du numéro 25, Messin, qui trouve les gants de Hassen, qui capte le cuir en deux temps. Ensuite, 45e plus une minute, c'est la pause, c'est la mi-temps, Nice-Metz 0-0, après 25 minutes assez insipides, on va dire, les Niçois ont tenté de créer du danger avec leur duo offensif Zvitanić-Eduardo. Une barre trouvée par l'Argentin et une frappe cadrée du Brésilien, mais ça n'a pas marqué. Ça fait tout de même un peu maigre pour cette première mi-temps. Voilà. Alors le hashtag de ce match, c'était OGC Nice FCM. Ça, c'est pour les twittos, hein, les réseaux sociaux. À 21h01, mi-temps terminé, c'est reparti. Peut-être le spectacle va arriver, vous allez voir, j'en dis pas plus. 50e minute, à la réception d'un centre au second poteau, Modibo Maïga ajuste Hassen de la tête, mais le portier niçois sort une parade décisive et capte le ballon en deux temps. Ensuite, à la 51e minute, le CSC de Bonnemer, non, afin de protéger sa défense. L'ancien Parisien adresse le ballon de la tête en retrait à son gardien, mais manque de tromper ce dernier qui était cependant bien vigilant. 55e minute, premier changement pour le FC Metz. Sarr quitte ses partenaires, Andrada va connaître ses premières minutes en Ligue 1. C'est une première pour lui. Côté infirmerie, à la 56e minute, Diawara tarde à se relever après un duel aérien musclé avec Maïga, mais c'est l'ancien colosse des Girondins et de l'OM qui se relève. Ensuite, point infirmerie toujours, 57e minute, Carasso met un genou au sol suite à un dégagement devant Zvitanić, les soigneurs interviennent. 58e minute, changement, coup dur pour le FC Metz, Carasso qui se plaint de la cuisse, cède sa place à Oberhauser. Donc changement pour le gardien du FC Metz. 59e minute, ça continue au niveau infirmerie, il y a de la casse aujourd'hui. Les pépins physiques se multiplient. Genevois est à son tour soigné suite à un coup reçu au niveau du visage. Le joueur niçois revient quand même sur le terrain. 64e minute, changement, double changement d'ailleurs pour le gym.
Essérik et Botéac entrent en jeu, Puel est sifflé par le public et Pléa sortent. Toujours côté infirmerie, 67e minute, énième bobo dans cette partie, Krivets reste au sol et semble souffrir du genou. On passe toujours au changement. Donc pour l'instant, pas beaucoup d'action. 68e minute, changement pour le FC Metz avec l'ancien joueur du Bayt Borisov, Krivets, qui cède sa place à Endoy. 70e minute, là, il se passe un carton jaune. Maïga est en retard sur Mendy. Donc l'arbitre, M. Chaperon, adresse un carton jaune à l'ancien attaquant sochalien. Voilà. Ensuite, on continue sur les changements. 75e minute, dernier changement pour le gym, c'est le Brésilien Carlos Eduardo, transparent en deuxième période, qui cède sa place au Niçois qui a marqué la fois dernière. Vous l'avez compris, c'est Bozetti. Voilà. Donc Bozetti entre en jeu à la 75e minute. Vous allez voir si ça a un impact. 78e minute, sur un coup franc excentré côté gauche tiré par Botéac, Diawara détourne le ballon de la tête, mais c'est à côté. 79e minute, il n'y a pas pénalty, ça aurait pu, mais l'arbitre a décidé autrement. Bussmann, au duel avec Hult, s'écroule dans la surface, se plaignant d'un coup de coude, pas évident à cette vue de ralenti. Ensuite, 81e minute, on repart sur l'infirmerie, et Essérik commet la faute sur Chopin qui reçoit des soins le long de la touche. 83e minute, carton jaune pour Hult, qui les cope suite à une obstruction sur Andrada. 90e minute, il ne se passe rien. Ensuite, on arrive dans le temps additionnel. Nous sommes à la 94e minute, et là, c'est la délivrance pour les Aiglons. But de Bozetti, Alexis Bozetti, sur une passe malheureuse en retrait de Milan Guido, à l'attention de son gardien. Bozetti détale ce joue d'Oberhauser, le gardien du FC Metz, et propose le cuir. Il propulse le cuir, pardon, au fond des filets. Il marque ce petit Bozetti. Et donc, ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Et pour terminer, donc, ça s'est terminé à la 97e minute. Il y a eu quand même beaucoup de temps additionnel, hein, 7 minutes avec toutes les infirmeries du jour. C'est donc terminé. OGC Nice 1, FC Metz 0. Au bout du suspense, jusqu'à la fin du match, ce sont les Aiglons qui ont arraché la victoire au terme d'une rencontre assez pauvre en occasion. Les FC Metz ont agi, par contre, en deuxième période, mais en vain. Voilà pour le résumé un peu de ce match. Alors, on va passer au multiplex juste avant de se quitter pour cette chronique RVPB spécial débriefing Nice-Metz du 13 septembre. Alors, on passe au multiplex et au classement. Vendredi, sur cette cinquième journée de Ligue 1, a eu lieu Olympique Lyonnais-Monaco. C'est Lyon qui a gagné 2-1. Ensuite, donc, ce même jour, aujourd'hui, samedi 13 septembre, a eu lieu plusieurs matchs. Stade Rennais, PSG, 1 partout. Montpellier, Lorient, 1-0. Bastia, Lens, 1 partout. OGC Nice, Metz, donc, victoire pour les Niçois, 1-0. Stade de Reims, Toulouse, c'est le Stade de Reims, 2-0 qui s'impose. AS Saint-Etienne, 1-0 qui s'impose face à Caen. Donc, demain, dimanche, 14 septembre 2014, 3 matchs prévus au programme sur cette cinquième journée de Ligue 1. Lille-Nantes à 14h, Guingamp-Girondins de Bordeaux à 17h et Évian-Marseille à 21h. Voilà, donc je vous donne le classement provisoire pour cette cinquième journée de Ligue 1 suite aux victoires des clubs vendredi et samedi. Alors, premier Girondins de Bordeaux avec 10 points, deuxième Saint-Étienne avec 10 points, troisième PSG avec 9 points, Montpellier 4e, Rennes 5e, Lille 6e, 7e Olympique de Marseille, 8e Lorient, le FC Lorient, 9e le RC Lens, 10e Nantes, 11e l'OGC Nice, voilà, qui remonte complètement dans le classement parce qu'elle est à peu près à la 17e place. Hein. Donc l'OGC Nice qui revient en milieu de classement pratiquement à la 11e place. Donc c'est quand même une bonne opportunité pour les Niçois d'avoir gagné contre le FC Metz, on ne peut pas le cacher. Ensuite Caen 12e, Lyon 13e, Bastia 14e, Toulouse 15e, Metz 16e, Stade de Reims 17e, Monaco fond du classement toujours, puisqu'ils ont perdu face à Lyon vendredi.
Donc Monaco 18e, Guingamp 19e et Évian 20e. Voilà, c'est tout concernant ce débriefing radio sur le match OGC Nice FC Metz qui s'est tenu le 13 septembre 2014 à 20h au stade Alliance Riviera à Nice pour cette 5e journée de Ligue 1 à domicile pour les Niçois. Merci à tous et à bientôt pour un prochain match au stade Alliance Riviera. Et je vous donne rendez-vous sur notre antenne web, le www.vipradioonline.fr.